Bon, aujourd'hui, il faut que je confesse une terrible erreur que j'ai fait quand même. Bah, hier, j'ai eu la mauvaise idée d'acheter Planet Zoo. Ce qui fait que je pense que ben on va jouer beaucoup. Alors, je sais pas si je vais pouvoir streamer, parce que je sais pas si mon PC va tenir. Mais je pense que tout mon temps libre, je vais passer, je vais jouer à Planet Zoo. C'est très grave. Oh, pardon, vous êtes là, bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui, on a trois nouveaux véhicules en tout. On en a un du côté des occasions, deux du côté des légendes. Par contre, les trois véhicules sont très intéressants. Il y a un petit peu de rupture de stock également, on va vérifier tout ça. Donc, nous avons la Toyota Sprinter Trueno 1600 GT Apex AE86-1983 qui n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. La Swift Sport 2007 est en rupture de stock à 12 000 crédits. Cette voiture, vous pouvez l'acheter neuve, donc c'est pas très important. La Daihatsu Kopen 2002 vient de passer en stock limité à 13 500 crédits, une voiture que vous pouvez acheter neuve pour 18 000 crédits. La Mini Cooper S 2005 est en stock limité à 24 500 crédits, c'est le dernier jour pour la prendre, mais cette voiture vous pouvez l'acheter neuve pour 4 000 crédits de plus. La Mitsubishi Lancer Evolution 6 GS RTM SCP 1999 vient d'arriver en stock aujourd'hui et ça sera le seul véhicule d'occasion nouveau. Cette voiture est disponible à 179 700 crédits, il est impossible de l'avoir autrement qu'en occasion. La Volkswagen Scirocco R 2010 est en stock limité, elle l'était déjà hier, c'est donc le dernier jour. Elle est disponible à 45 400 crédits, c'est une voiture que vous pouvez acheter neuve pour 51 500 crédits. La Chevrolet Corvette Convertible C3 1969 est également en stock limité pour le dernier jour, elle est disponible à 47 300 crédits. Une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 27. Et avec laquelle vous pouvez faire un swap moteur, donc ça peut être intéressant d'en acheter une seconde. La Ferrari Dino 246 GT 1971 vient de passer en stock limité aujourd'hui. C'est disponible à 352 300 crédits. Il est impossible de l'avoir autrement qu'en occasion. Tout comme la TVR Tucson Speed 6 2000 qui est en stock limité à 82 200 crédits. Et enfin, pour terminer du côté des occasions, la Porsche 911 Carrera RS 993-1995 qui est en stock limité à 221 700 crédits, une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 31. Du côté des légendes, on a deux belles voitures à prendre, honnêtement. Pas excessivement cher pour des voitures de légende en plus. Nous avons la Ferrari GTO 1984 qui est disponible à 3 100 000 crédits, avec un prix qui est indiqué à la hausse, ce qui fait que quand elle reviendra, elle coûtera encore un petit peu plus cher. 3 100 000 crédits, faut peut-être pas trop hésiter très très longtemps. Vous allez quand même avoir un petit peu de temps pour la prendre. Ensuite, la Porsche 356A 1500 GS GT Carrera Speedster 1956 qui est disponible à 1 500 000 crédits. Une voiture qu'il ne faut pas confondre avec le modèle qui ressemble énormément mais qui n'est pas décapotable. Celle-ci est décapotable, donc il y a deux Porsche 356 qui ressemblent légèrement. Faut pas se confondre. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens.